Oh, j'ai de l'image. Salut à tous. Putain, c'était compliqué. Hein. bienvenue dans ce stream dédié à Dead Island 2. Dead Island 2, c'était un peu l'Arlésienne. C'est un jeu qu'on a attendu pendant 10 ans, hein, quand même, depuis son annonce. Dead Island 1 est un jeu que j'avais absolument adoré, malgré ses mauvais côtés, parce que c'était pas non plus... C'était pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'était un jeu hautement bourrin et franchement très sympa. Voilà quoi. On va voir ce que donne cette suite, en espérant qu'elle soit au moins aussi bien que le premier. Alors, on est sur PC. On est sur PC. Hop, je vais lancer une nouvelle partie et on va découvrir tout ça. Human. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them? Can you catch me? C'est pas une journée normale à LA, hein. J'ai tout le matos qui fait n'importe quoi aujourd'hui. Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. Alors on a une mise en situation, hein. Plutôt direct. Pour l'instant, niveau design, c'est vraiment cool, quoi. There better be food on this flight. Ticket, please. Salut Nugs. Must be a mile with Jackie. This'll do. Oh my god, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? Ça t'apprendra à vouloir faire des selfies. She always likes surprises. Bon, pour l'instant, ça démarre plutôt pas mal, hein. Le design général et l'ambiance, elle est clairement là. Alors, choisissez qui laissera dans son sillage une traînée de cadavres de zombies dans les fers de Los Angeles. Ok, alors, Jacob. Alors, il y a des compétences, il y a des attributs différents. Bruno, il a un problème de santé max, de toute évidence. Ok. Carla, c'est dans les dégâts critiques qu'elle est pas très forte. Danny, récupération de santé. Ok, je regarde plutôt les attributs les plus faibles plutôt que les plus forts. Ryan, lui il est pas agile. Ok. Amy, elle est pas résistante. Il n'y a pas de perso hyper équilibré en fait. Hein. La résilience. Ouais. Bah, vous savez quoi, je vais commencer avec Jacob, je pense.
Alors, voulez-vous vraiment vous frayer un chemin en massacrant tout sur votre passage dans cet enfer en tant que Jacob? Vous ne pourrez pas changer? Oui, bah ok, ça marche. Ça me va bien. Ooh. Ok, un bandage et à boire. Ah. D'accord, on n'est pas en Azerty. Ah, vas-y. Il veut pas me changer le clavier. Allez, ça commence. Passe-moi le clavier en FR, s'il te plaît. Non, il veut pas. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Alors pourquoi est-ce qu'il veut pas me passer le clavier, ce salopard? Bien sûr, j'ai plus ma barre de langue sur Windows. Ah là là là, c'est compliqué cette histoire. Bon, est-ce qu'on peut binder les touches? Ça ira peut-être plus vite. Commande, reconfigurer les touches, s'il te plaît. Oui, merci. Sauter, ça je m'en fous. Suivante, arme précédente. On peut pas avoir les trucs au début. Voilà. Avancer, s'il te plaît. Reculer, pas vers la gauche. Et objet à lancer. Donc, je le recherche après. Pas vers la droite. Ça c'est bon. Les objets à lancer, par contre. Objet à lancer, objet à lancer, objet à lancer. Interagit, sauter. De toute façon, il y en a un qui doit être vide du coup. Voilà, objet à lancer. Avec le A. Et cette fois-ci, on est bon. Ah ouais, c'est les bonnes galères du direct aujourd'hui. Hein. Oh la vache. Et j'ai compris pourquoi j'avais pas de caméra tout à l'heure, hein, au passage. Putain, je te jure. Enregistrer les modifications. Hop. Allez, continuez. Voilà, c'est mieux de pouvoir avancer. Graphiquement, ça a l'air vraiment pas mal, hein. Foutez le camp d'ici. Ok. Attendez, encore deux petites secondes. Non, la cam elle est pas éteinte, j'ai un autre logiciel en fait qui avait repris le dessus. Sur la caméra, du coup elle était plus affichée dans OBS, enfin bref. J'ai réactivé justement cette petite caméra, si tu peux bien t'activer cette fois-ci. Voilà, ça va être mieux, et je vais même la repasser en caméra principale. Et comme ça, on va pouvoir continuer ce stream sans que je vous emmerde avec des bugs techniques, ce qui peut être pas mal. Voilà. Tada ! C'est mieux, hein ? Bon, allez, c'est parti. Voici, c'est parti. Putain, c'est sombre, hein, par contre. Hein. Appuyez sur espace et Z lorsque vous êtes proche d'un mur pour l'escalader. Ok. C'est pas dégueulasse. Oh, hi. I'm alive too. Seeing things. Not a good sign. Non, c'est pas très bon signe. Machette improvisée. Ok. Bon, elle est par là.
pas hyper pratique tout ça. Alors appuyez sur E. Foutre un bon coup de tatane, ça va être bon ça. Il s'est vraiment passé un drame dans ces chiottes. Hop. Ouh. Esquiver les flammes, bah oui, bah je vais aller là tout simplement. Pour l'instant, ça me plaît plutôt pas mal cette histoire. De soins. Ah, c'est pas mal, hein. Putain, graphiquement. Emma, darling, I'm so sorry about Robert. Why? Bruv, you got some blood coming out your ears. What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. Well, I mean, what are we going to do? Try not to look tasty. People, this is Emma Jaunt. Nice. Of course you know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her home to safety. Aye, aye. What's this? Careful. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Oh, thank fuck. My wife. Ouais, je pense qu'il en reste plus grand-chose, hein. Okay. Ouais. She's hanging in there, but weak. It's off me. Come on. No me and team. Michael, help. On me. Lift. It's too heavy. Ça doit faire mal. Et ça, ça sent pas bon. We need to go. Okay, got you picked. Emma? I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Oh. They're volunteered, have I? Okay, Michael, if you're sure. Here is my address in case you change your mind. Good luck. Where's the GNC? Okay. I'll call the army, send help. Go. Allez, c'est parti. Hey, are you Emma Jaunt? Typical, LA. On va pas le laisser crever là, lui, quand même. Ouais, ah bah non, celui-là, on va se l'éclater, ça va être le premier. Oh putain. Ah, il y a du petit QTE. Alors, clic gauche pour attaquer, et on maintient pro... Ah. Bien. Déjà pété ? Votre arme, trouvez-en une autre. Ouais, ok. Ah tiens, très bien. On a beau... Oh! Oh là 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 là. Allez, on va faire du marteau. Putain, déjà 3. Ah putain, je l'ai raté. Ok.
Putain, mais combien ils sont? Putain, c'est... À soigner. Alors, en mode clavier souris, on sent pas trop trop les impacts, je trouve. Je me demande si au final je vais pas je vais pas y jouer à la manette, très honnêtement. Que je trouve là, je trouve ça un peu mou comme ça. Alors qu'avec les vibrations, ça peut vraiment rajouter quelque chose. Putain, t'es où toi? Éclater la gueule. Ah tiens. Coup de pompe. Coup de marteau. Dans ta gueule. Voilà. Putain. C'est vrai combien ils sont là. Ça fait beaucoup pour un démarrage. Dégage. On éclate. Ouais, donc ouais, bah justement, le ressenti, en tout cas en clavier souris, est un peu mou. Je vais passer direct à la manette. Putain, j'espère que ça peut switcher direct. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Il arrive! Change-moi la manette! Vite! Oui! Ah, c'est mieux avec les vibrations déjà. Alors, par contre, à la manette, moi je joue en inversé. Je vais changer ça vite fait. Commande inversion de l'axe Y, s'il te plaît. Oui, merci. Merde, il me l'a pas pris. Hop. Inversion de la Y. Retourner, enregistrer. Et cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Alors. Là, il loot des trucs. Donc, maintenez LT, appuyez sur RT pour lancer votre arme. Ouais, mais non, je vais la garder. Bon, d'accord, pour le tuto, je vais le faire. Voilà. Alors. Voilà, comme ça, j'ai plusieurs armes. Alors, j'ai pas autre chose, non? Voilà. Ouais, c'est bien mieux à la manette. Hein. Ça change vraiment la sensation de jeu. Que les jeux en corps à corps, je me souviens récemment, il y avait Atomic Heart et c'était mou. C'était vraiment mou. Mais attends, que je lance un truc, mais sur quoi? Là-dessus? Quoi, tu veux que je lance ça? Ok. Ça répond à ma question. Ah non, visuellement, les effets sont plutôt très jolis. Ça, c'est cool. Alors, vol au-dessus d'un nid de fou. Ah oui. Aidez le. Ok. Joshua, es-tu toujours vivant? Eh ouais, dommage pour les joueurs clavier-souris, hein, comme tu dis, mais franchement, je trouve la sensation clavier-souris plutôt chiante, tandis qu'à la manette, je trouve ça très cool. Après sur des jeux on a beaucoup de corps à corps, en général souvent avec la manette c'est mieux. Hey, darling, can you drink? T'es vivante toi? J'ai un vieux doute. Hein. Me, yeah? Je vais finir un coup de pompe ça non? Ouais. Ah! Non. Déjà dès le début tu te fais infecter quoi. Ah bah... Elle finit en montre religieuse, elle a bouffé son mari. Non. Oh putain. Ah c'est bon ça. Ah la violence. Ah lui il est coincé de toute façon, ça va. Ah, ok. Oh. Où c'est violent. Ouh, c'est violent.
Bon pied, bon oeil. Ouais. Ok, donc on va démarrer l'aventure déjà infectée. Non mais en vrai, visuellement, il est mortel ce jeu, non? Parce que... on n'a pas été très très gâté sur les grosses productions ces temps-ci. Ça faisait très... très ancienne génération en fait, est-ce que là là c'est vraiment plutôt cool hein. Les lumières sont bien gérées, les modèles sont très beaux, les textures aussi, les effets sont hyper bien réalisés, sachant que de mémoire je suis même pas en ultra hein. Stream oblige, j'enlève un peu de qualité. Je stream que sur une seule machine. Alors on est à Bel Air. Regardez-moi ces environnements là. Non, c'est très très propre. Très très propre. Allez, on va découvrir ça. Ah bah voilà, bien sûr, il n'y a pas de courant. Alors, boîtier de disjoncteur, ça va mettre sous tension les objets. Trouver un boîtier de disjoncteur. Et un quoi ? Un boîtier disjoncteur. Où est-ce que tu veux que je trouve un boîtier disjoncteur? Là, pas dans une enveloppe quand même. Emma réside de l'autre côté de cette demeure. Vous allez devoir trouver moyen de traverser en jouant des coudes pour vous y rendre. Faites défiler la carte. Ok. Ok. Ça a l'air pas mal ça. Alors, en zoom. Pour une première zone de map, ça a l'air plutôt honnête. JPX qui me dit dans le garage le boîtier, mais tu vas arrêter de me spoiler, putain, je le découvre, enfin. Alors, donc maintenant que je sais où il est, je vais aller dans le garage. Il est où le garage? Le garage, il doit être là. Alors... ça c'est quoi? Des pièces métalliques... preuve de soin, qui sont en métal, ok... ça, ça doit être le fameux disjoncteur, et ouais. On va prendre tout ce qu'il y a à prendre. Yes... je suis curieux de voir ce qu'on peut faire avec avec l'ensemble des pièces qu'on ramasse. Et oui, JPX, hein, le jeu est très très propre. Là, je suis pas sur GeForce Now. À l'origine, je voulais le streamer depuis GeForce Now, mais à ce matin, quand j'ai regardé, il était toujours pas dispo, malheureusement. Donc là, je suis sur mon PC en local. Et c'est pour ça que du coup, je suis en 1440p. Mais quand j'y jouerai, ce sera bien évidemment en 4K à pleine balle, parce qu'avec GeForce Now et sa 4080, bah tout va bien quoi. Roll with the punches, as my granddad used to say. Allez les connards. Bam. Ah merde, j'ai déjà plus d'armes. Oui, petit morceau de bois. Tiens, ça laisse des échardes entre les dents. Excusez-moi. Vous êtes un zombie depuis combien de temps? Parce que là vous avez franchement mauvaise mine quand même. Hein. Mmh. Ouh. Du don. Tu peux pas te foutre un coup de tatane toi? Voilà. Et oui, 4080 mais juste avec GeForce Now. Enfin là j'ai quand même une très bonne carte. Hein. J'ai une XT 6950. Mais il y a un truc qui me gêne de plus en plus avec le temps quand je joue sur PC, c'est le bruit qui est généré. Et quand tu joues sur une PS5 ou une Xbox, bah t'entends rien quoi. Est-ce que sur un PC, bah t'as un joli chauffage pas très loin de toi. Et en plus fait du bruit. Oh merde. Hé ! Qu'est-ce
Est-ce que... Bah, il me reste ça. Oui, je veux bien prendre ça, s'il te plaît. Putain, comment on fait pour sélectionner? Prends ça. Il veut pas. Eh ben, bon. On va aller finir au point. Putain. Je suis pas très bon en énergie, là. Hein. Alors, attends, la roue, là. Je veux prendre, par exemple, ça. Je lâche, là, ça prend. Et pourquoi je peux pas prendre l'autre? L'autre, il veut pas. Bon. Pour se soigner, comment on fait? Avec la manette, c'est en bas, ok. Est-ce qu'on peut passer par là, à la porte? Yo, anybody home? Oh, bad juju. Tente. Non, les lumières sont vraiment propres. Hein. Putain, j'ai la... La lampe d'activer pour le... Voilà. Ok. Non, c'est très sympa, là. La gestion de l'exposition. Regardez les petits reflets, là, dans l'écran de la télé. C'est pas du ray tracing, mais c'est un... C'est plutôt bien... Bien réalisé, je trouve. Et est-ce qu'on voit le personnage? Et non, on voit juste le morceau de bâton. Bon, c'est pas grave. Pas jouer de piano. On peut pas jouer de guitare. Donc là, c'était une safe room. Donc il faut une carte magnétique. Alors trouvez les panneaux connectés là et détruisez-les pour. Ok. Ouais, ça permet d'ouvrir une. Oula. T'as pas trop servi d'avoir une safe room, toi, on dirait. Ouh, hey, t'es un peu trop costaud à mon goût, toi. Putain, est-ce que... Putain, mais tu vas crever, oui. Voilà. Well, that's one less neighbor at book club this month. Alors. Et niveau arme, je suis vraiment pas gâté, là. Récupérer tout ce qu'il y a récupéré. La clé de la safe room, elle est là. De la. Okay. Bon. J'ai rien du tout comme arme, on est d'accord, tout est pété en fait. Tout est pété. Merde. Ah, on peut se protéger. Appuie sur LB. Putain, je l'ai raté. Ouh. Mauvais timing. Non mais, ta gueule toi. Bon allez, encore un. Y'a pas moyen de récupérer une arme quelque part. Et là j'ai vraiment que dalle quoi. Allez, te chope, et après, je te tape. Okay. Donc en fait, c'est pas vraiment parer, c'est esquiver pour faire la contre-attaque après, quoi. Oh. À la violence. Les jeux de zombies j'aime bien parce que souvent t'as de la violence vraiment gratuite mais tu t'en fous dans ce genre de cas. Hop. Ok, bon bah non, il n'y a pas d'armes en fait. Continuons vers la maison. Just nip through, out the garden gate, and Emma should be on the same street. Bon, ici... C'est vraiment pas bien passé hein, dans cette maison.
De l'argent, des attaches. Ah, voilà. I love you, Mrs. Highbridge, but... Eh merde. Tu veux pas me mettre le sabre là? Voilà. Oh. Je sais pas si ça valait vraiment le coup de prendre ce sabre. Hein. Où? Où est-ce qu'ils sont? J'ai réveillé tout le quartier, moi. J'ai raté mon esquive. Non, je l'avais pas raté en fait. Ouais, c'est un très très bon défouloir. Hein. Bien, oh putain. Regardez-moi ce bordel, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des modèles 3D qui sont extrêmement bien faits. On a du démembrement. On a du sang qui réagit. Ah oui, il réagit. On peut marcher dedans. Ah putain, il y a un souci du détail, hein. Ça fait tellement plaisir. Enfin, pas de marcher dans du sang, hein, mais d'avoir un jeu où il y a du soin du détail. Parce que c'est quand même quelque chose qui, en ce moment, on n'est pas forcément gâté là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. J'ai la contamination qui commence à faire son effet. Là, pour l'instant, on va y aller. On va enchaîner. Quelque chose par là-bas. Coffre rouge. Oh, a present. Très bien. Ce sera tout. Oh. Burning up. Definite duvet day. Oh. Oh putain le bâtard. Allez, coupez la tête. J'ai pas réussi à couper la tête, tant pis. Putain mais vous êtes combien quoi? On peut couper la beuge ou pas? Oh. On peut. C'est bien, on peut être inventif hein. Ouais, les lumières, elles sont effectivement hyper bien gérées. Hein. Là, il y a eu un super taf. Pour un jeu qu'on a attendu 10 ans, qui a changé, je crois, deux fois de directeur artistique, dont le développement a été quasiment intégralement refait une fois, si je me trompe pas. Eh bah... Franchement, ils en sont bien sortis, hein. J'ai rejoué au 1 il y a quelques jours. Je l'ai pas rejoué, je l'ai juste lancé pour me remémorer à quoi ça ressemblait. Il avait pas mal vieilli déjà. Pas trop mal vieilli. Je dis pas ce que je pense, ça va pas être simple. Donc celui-là, à mon avis, avec tout au max. Ouais, franchement, ça valait le coup d'attendre quoi. Et pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait un petit quart d'heure que je joue, un truc comme ça, peut-être un peu plus. Bah j'ai pas eu de bug. Hein. On commence à plus être habitué à avoir des jeux pas buggés. Hein. Alors un contaminé. On trouve des sources d'électricité aux quatre coins, l'électricité passe dans l'eau et embrasse... Là. Oui d'accord, mais j'ai rien d'électrique avec moi. Bon. Les armes s'abîment quand même relativement vite. Hein. Attends, je peux pas trouver un truc un peu drôle là pour les électrocuter? Excusez-moi. Eh oui, bah oui. Oh, je te voyais pas dormir là. On a ici. Bon, bah, y a rien de. Rien d'électrique. De toute façon, je ne peux rien jeter là-dedans. Allez, on va passer à la suite.
Quoi? Code du portail. Tais-toi donc. Oh, hé, hé, hé. Un coup de tatane, coup de sabre, coup de pompe. Alors, où est-ce qu'il est ce code? Coup de tatane, coup de sabre, coup de tatane. Ah ouais, hein, tu fais moins le malin là. Ah tiens. Bien. Le colis. Le colis. Le code, il est pas là. Boom. Et voilà, j'ai le code. This is a nice kitchen. Trousse de soins, ça peut être pratique. Et voilà. Allez, on peut poursuivre. Jacob, bruv. From the crash. Oh, okay. Come in. Voilà une jolie résidence. Oh, mom, I feel like shit. I need to drive the big white bus. Oh, just get it all out of me. Both ends. fuck. Out the in. Get in. Crazies everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Bah, justement. Ew, is that? Had a bit of a man at the office, darling. Get away from this house! You fool! What are you devil? Do it! Give me the gun! No! You have been bitten! You will turn, eat us, I know. I've seen it now. Get away! Freya! They were at the crash. I invited them. Just give me the... No! I will not have this devil in my house! Your house! You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You abandoned me. Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody gun. Here, we're all happy now. Mine's a gin and cranberry. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means they will turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Oh God. Are they turning? Oh, I'm gonna be sick. Shoot them! Okay. Say something. Hello? Was I shot? Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. And you simply had to take advantage. Hey, my fever's gone. You do seem better. Donc il est immunisé. But you're staying locked up. But I feel dandy. That proves that... No, it proves nothing, okay? I mean, people are eating each other out there and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. Look, you can let me out. Détail avec le. Swim in mom's grave. Le ballon de pilote là où il se situe. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from here? They're surrounding the house. They're trying to get in. Unlock the cuffs. I can help you. Oh, shit. Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Come on! Played, girl. Choix des aptitudes. Ok. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas forcément trop le choix. Hein. Voilà, j'en ai une, quoi. C'était quoi ce que j'ai ajouté?
Tueur en série, emplacement de déploiement. Un zombie donne un bonus mineur de dégâts. Et là, ça ronde l'endurance. Ok. Eh bien, très bien. Très sympa, hein. On voit même les reliefs des impressions. Ah, c'est... Il est vraiment propre, le jeu, hein. Putain. Ah. Bon. On va les laisser s'amuser. Tiens, j'ai un petit coup d'œil là-haut. Rise of the God Spider. Le bon gros navet. Tomb of the Tiger Queen. Ah, ça souffle ça. Elle est vraiment sympa cette maison. C'est plutôt... Oh, c'est bien détaillé en fait. Ok. Le SSR pour les réflexions, il est vraiment bien, bien géré, je trouve. C'est propre, très très propre. Allez. Je vais aller faire le ménage, t'inquiète. Ah non, mais tu peux pas leur parler. Ouais. Ouh. Ok, il y en a combien? Défendez la maison. Alors, par où ils arrivent? Bon, là-bas. Allez, c'est l'heure d'aller botter les culs. Tiens. Alors, pieds joints. Attends, merde, c'était où? Bon, tant pis. Sauter. Ah oui, c'est ça. Il faut sauter. On va tester ça. Merde, raté. Ah! Et on va faire une attaque à pieds joints. Digne d'un catcheur. Bam! C'est bon ça. Ouf. J'ai l'impression qu'il est plus fort que tout à l'heure, le personnage. Fermez le portail, ok. Putain, faut un disjoncteur. Trouver un disjoncteur. Et ben encore dans le garage. Arme cassée, putain, ça y est. Le couteau. Ok. Un bidon d'eau pour quoi? Pour éteindre le feu? Trop bien. Oh, ça c'est vraiment pas le genre de mécanique que j'aurais pensé avoir, tiens. Le feu blesse tout le monde, humain comme zombie, pouvait éteindre. Ok, ça marche. Allez. Ah si, en plus il y a des bonnes surprises dedans. Ça peut être plus que cool, hein. Enfin pour l'instant je suis hyper enthousiaste déjà sur la... je vais leur lancer le disjoncteur à la gueule, tiens. Hop. Oh là là. Allez, donc le style de combat est complètement différent. Oh. Je peux lui lancer. Merde, j'ai raté. Voilà, je vais reprendre. Ok, je te file un tuyau, tiens. Eh, hey, reste tranquille. Okay. Quel merdier. Quel merdier. Hop, bah je vais me soigner vu que je suis à fond en soins, comme ça je le récupère.
c'est bon. This one. Where's the last of us? They're downstairs in the games room, hiding. Autre détail qui est tout sauf négligeable, c'est que bah, le jeu m'a l'air hyper optimisé. Hein. C'est vraiment fluide. J'ai eu aucun crash. Ça aussi, hein. C'est le genre de truc auquel on est de moins en moins habitué. Merci pour aller out there. God, this is beyond insane. I mean, I don't know how to do this. I'm not supposed to die here. At least you'll die with me, Emma. I'm fantastic. No, no, what I mean to say is you're not dying. Not with me around. Now, since the health of our possibly undead friend here is... I'm human. You can't verify that, okay? Since your health is a question, we need a lead person here, a lead protector. And Emma, I will be your protector. Don't get in. Oh, hello. Hmm. You got no shot on this, Aiton. Stylé. With pleasure. Alors, qui es-tu, toi? Don't touch her! Sam! You hear that, Aiton line? I saw the cue and nailed it. You're shocked, I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Or call any time in the past 15 years since you popped out to the store. I think we should talk about this later. I'm here to get you out please, of here. Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue right now. Yes, again. City's locked tight. Being famous don't count for shit. Lucky for you, I've been through this before. No one's been through this before. Guess again, again. This zombie shit happened twice already. All got covered up. But I survived. You wanna know how? I'm immune. Big deal. T'es pas le seul, mec. Huh? This motherfucker. This motherfucker. So, you're not special, and... We're doing fine, thanks. I'm immune. You still need me. I killed more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. We don't need him. You know you do. I'm immune. Fine, you can stay. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. This way. What does he mean being famous doesn't count for shit? How ridiculous! Bon. I need to talk to Sam. This is Emma John we're talking about here. Donc pour l'instant, j'ai quand même ramassé plutôt pas mal de différents éléments. Donc je suis curieux de voir ce qu'on va pouvoir crafter avec tout ça. Et d'où sort cette petite musique d'ambiance extrêmement séduisante. Il y a de l'ambiance chez Emma. Voilà. Aller discuter avec Sam. Il est où? Il est là où? Ouais. La baraque de ouf. Tu es qui toi? Elisabeth. Tu peux te parler? Non. Il y a plein de gens ici. Anna. Salut Sambi. We need to contact the authorities. Tell them we're immune. Sure, if you want to get dissected. Nah, bro. We'd be like superheroes. We'd be like VIPs. RIPs. Emma's got 6 months of food in the basement. We can wait it out here. The city's dead. LA's lost. Full quarantine. Our evacuation flight was shot down for fuck's sakes. I'm gonna fight my way out. You're immune. You ain't bite-proof. They're slow and dumb. I know I can handle myself. You don't know shit.
Out there, you gotta be a mechanic, medic. Jackie fucking Chan rolled into one. Check, check, and check. Looks like I'm ready to roll. Pas du tout présomptueux, le personnage. Hein. Alright, it's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Grab that machete. Chitty. Okay, hop. This is how you give it some spice. You'll need parts, though. Take some of this shit lying around here. On est plein des pièces, justement, là, tiens. Emma, yeah? Okay. Literally walked into hell. Should never have left her. It was just... I was young. On peut pas l'utiliser, l'atelier, non? On va ramasser tout ce qu'on trouve autour, ok. Il y en a d'autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau? Alors, on peut les réparer déjà, ok. On peut les personnaliser, modifications électriques, mais oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est cool. Avantage. Les pièces trouvées dans le lieu pour fabriquer des modifications. Okay. On va augmenter les dégâts. Mais ça réduisait la... Ah ok, donc c'est du bonus malus en fait, hein. Il y a tout en même temps. Ça, peut-être m'en débarrasser. Ça aussi. Ça, est-ce que je peux le réparer? Alors, réparer, il semblerait que oui. Donc c'est, on fait tout avec des pièces en fait, ça aussi. Ah non, là j'ai pas de quoi. Bon. Après c'est juste un vulgaire tuyau, on va faire ça. Hop. La machette de l'épave, je vais m'en débarrasser aussi, après tout. Je pense que je vais avoir largement de quoi... De quoi m'en sortir après. Donc il y a une histoire de plan. On va pouvoir fabriquer des armes par la suite. C'est très très classe, hein. Franchement, les personnages sont hyper, hyper bien designés. Hein. Ça fait plaisir, quoi. On peut te parler à toi, Carlos? Ok. Mais oui, Carlos. Avec plaisir. Donc, Carlos, c'est le marchand. Ok. Bah, je vais récupérer ça. Ça c'est cadeau, merci. Et on peut lui acheter quoi? Des armes, des plans. Ouais. C'est gratuit. Si c'est gratuit, je prends. Hein. Si c'est gratuit, je prends. Il n'y a pas de problème. Ok. Thanks, Carlos. This is an interesting thing you've created. I'm sure it'll be very handy. I'm gonna make sure Emma's okay. Bon, et la femme de ménage qui voulait me buter, elle a rien à me dire? Non. Donc Emma, elle est encore au-dessus. Ben, on va continuer à marcher dans sa superbe villa. I feel like we're shipwrecked. Am I going to end up in some dead fan's stomach? You won't let that happen, will you? If I'm immune. Then I'm contacting the authorities. Sam doesn't trust them. Okay, well, that's his problem. I'm getting out of here. We all want to leave. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. Nah, we make our own way out. You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. I saw videos of cars getting swarmed. Might as well put wheels on a coffin. Yeah, true. There's millions of those things out there. Just waiting to sink their teeth into us. Face it, we'd need a helicopter to get out. And everyone who has one is already fucked off in it. Come on, we're gonna escape. Was there a local evac center? Hmm? Bah, peut-être. We were supposed to report to the Halperin Hotel. Le Halperin. Robert hadn't made other arrangements. Robert really left a hole, huh? Our marriage was just PR, okay? Aren't they all... Look, I'm getting out of LA. End of.
Hey. Bon. Don't forget your friends. Eh non. If you do find a way out. On va pas t'oublier, t'inquiète pas. Ne serait-ce que pour revenir dans cette magnifique baraque pendant les vacances. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a à prendre? Plein de trucs ici. Et du loot absolument partout en fait. Hein. Faire ça plutôt rapide. Voilà. Là c'est bon pour cette partie. Bah, je vais ressortir. Hop. Sortons de la baraque. C'est Mickaël qui peut me faire sortir par la porte arrière. Allez, c'est parti. I'm gonna check out the local evac muster point at the Halperin Hotel. Salut Nux. Merci, à bientôt. Yes, yes, good. Good, exactly what I was going to tell you to do. All part of my survival plan. You'll need keys to get out here. Just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Okay? I'll bring the cavalry. If there's any cavalry left. They can land a helicopter right in the grounds. It's fine. Come on, Mom. Allez, c'est parti. Massacre en groupe, donc ça y est, là le jeu en coop est débloqué, parce que oui, Dead Island 2, comme le premier, est un jeu qui se joue en coop. Donc ça c'est bah, c'est un truc encore plus, hein, toujours en plus. Le côté en moins, c'est que par contre j'ai cru voir qu'il n'était pas crossplay, donc malheureusement si vous jouez sur PC, vous ne pourrez pas jouer avec quelqu'un qui joue sur console, et même au niveau des consoles, il n'y a pas de crossplay non plus, donc... Ça, c'est vraiment très dommage. Donc, si vous voulez jouer à ce jeu en coop, n'oubliez pas de le prendre sur la même plateforme que vos potes. Un petit tremblement de terre. On peut pas la faire taire la voiture, non ? Voilà. Oh, une bonne batterie dans la gueule, ça doit faire mal. Hein. Bien ça. On peut la lancer plusieurs fois. Salut les amis. On peut la lancer plusieurs fois. Venez donc vous électrifier. Ah oui, ça va être sympa. Ça c'est de l'eau. Ah bah oui. De toute façon, tout le monde est mort. Est-ce qu'on peut couper l'électricité? Non, mais on peut couper l'eau. C'est ça. Voilà. C'est bon? Ça n'a pas l'air. On va devoir sauter. Bon, un peu raté, mais c'est quand même passé. Je vais quand même pas me balader avec la batterie tout le long. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, y'a quoi là-dedans? On va répondre à l'interphone. Did someone require Zompocalypse survival services? Ah, good. Finally, some life out there. You're not much to look at, but I'll take a chance on you. Say, you seen another kid out there? Another kid? I'll have you know I'm a reasonably responsible adult. Damn. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Listen, if I get the gate, can you search the front? You find that girl, you bring her around back, and we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers.
They might. Hey, get out of there, you scourge of a Satan. Okay, I'll bite. But thank you, thank you. No, really, you are too kind. Hey, stop that. Ok, donc là on est sur une quête secondaire, donc il y a bien des quêtes secondaires. Ils ont l'air très légèrement scénarisés, mais ça peut être sympa. Bah, j'espère que c'est pas des quêtes secondaires histoire d'en mettre. Ça, je ne pourrais le savoir que sur la durée du... Qu'est-ce qui tire là? Hop! Voilà, tout en douceur. Oh Jay, always late to the party. Oh putain, ils sont nombreux là. Ah bah ils sont plus très nombreux. That you, kid? You find that girl? Non, pas encore. Hey, nah, I was too slow. Son of a bitch. Well, I say it's about time we send these party. Ça marche bien la machette électrique, hein. Ok. Ah, où est-ce qu'elle se cache cette fille là? Il y a rien à prendre là, il y a personne à... Pas grand chose. Je vais prendre tout ce que je peux trouver. Tony le malin, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Agrandir. Ok. Ça s'est mal fini ici, hein. Vache. Allez, on va rentrer, rencontrer, je sais pas comment il s'appelle. En acier, je peux pas me charger inutilement. Est-ce qu'on peut rentrer par là? J'ai pas l'impression. La gueule, hein. Il va y avoir une porte de l'autre côté que j'ai pas vue. La voilà. Ah non, elle est fermée. Eh mec, tu veux pas mouiller la clé? Curtis Sinclair's the name. Did a bit of acting in my time. Ask your mother, kid. Pleasure to meet you in these dark times. No fucking way! Soylent Mauve is a classic. Listen, I need help. Years of doing my own stunts means, well, the old hip won't survive this drop. I need to get my chairlift to get down, but the power in the house is gone kaput. Yeah, the grid's tripped all over the neighborhood. Maybe the whole city. Check the connections down at the end of the yard. Okay. See if the problem's there. Now, if you can get things running, I can buzz you inside. Godspeed, kid. Bon. Eh ben, je pense que je vais m'arrêter là pour cette découverte de Dead Island 2. Donc, en vrai, ça vaut quoi? Ben, en vrai, c'est hyper bien réalisé, hein. Franchement, c'est hyper bien réalisé. On va retourner là où il faut. Donc, que vous dire? Beaucoup d'attentes, 10 ans quand même depuis son annonce, pour se retrouver ce Dead Island 2. Pour l'instant, ça a l'air de valoir le coup. C'est pas un jeu
qui révolutionne ce qu'on connaît déjà. En revanche, c'est un jeu qui est extrêmement bien réalisé. Moi, je suis surpris par les performances, par les performances tout court, parce que le jeu est hyper fluide, il est vraiment très beau. Les détails ils sont légion, il y en a partout. Les effets sont beaux, les modèles 3D utilisés sont beaux, les textures sont belles, la lumière est très bien exploitée. Franchement, on est vraiment dans de l'extrêmement positif. Les attaques au corps à corps, bah là, au clavier souris, bon, moi j'ai trouvé ça un peu trop mou, j'ai préféré partir sur la manette. Je trouve que l'ajout des vibrations change vraiment complètement l'expérience de jeu. Donc, à moins que vous soyez un puriste du clavier souris, moi personnellement je vous conseille de passer à la manette. Sachant qu'on a l'air de passer quand même une très très grande partie du temps à faire des combats en corps à corps. Pas franchement besoin d'une précision folle non plus. En ce qui concerne le monde, ça a l'air d'être des sous-parties. En fait, c'est pas un open world, hein. C'est un couloir ouvert, on peut dire. Par contre, c'est très bien fait. Là, on n'a pas vu grand chose parce que là, cette découverte est plutôt courte. Mais ça, à mon avis, ça montre un peu ce qu'on va avoir. On devrait avoir des successions de petites zones à découvrir, des petits bouts de quartier, etc. Et ça se passe plutôt bien. Le côté narration, quant à lui, il est plutôt très chouette. Le doublage est vraiment pas mal. Petit truc qui est chiant, j'aurais bien aimé qu'il soit doublé en français, mais bon. Bon, je pense que, vu les développements qui ont été chaotiques sur ce jeu, ils sont peut-être dit qu'ils allaient s'abstenir de faire ça. C'est dommage, parce qu'au final, le jeu est très bien réalisé, et ça aurait rajouté beaucoup, beaucoup d'immersion, à mon sens en tout cas. Voilà, sinon on a vu quoi? Une petite quête secondaire. Ça révolutionne pas ce qu'on connaît dans ce type de jeu. Hein. Par contre, sur le côté fun, je le trouve vraiment très fun. Bien plus fun d'ailleurs qu'un Dying Light 2. C'est entre guillemets la même thématique, mais c'est pas du tout la même ambiance. Là, c'est beaucoup plus débridé. Bref, ça a l'air d'être quand même tout simplement un très bon jeu. Moi, sur cette heure que j'ai passé dessus, franchement, je ne peux que le conseiller. Donc, pour rappel, là c'était sur PC. Je pense qu'il doit être sans trop de problèmes aussi beau sur PS5 et sur Xbox. Là, ce que vous avez vu, donc j'étais en 1440p hein, pour le stream. Et qu'est-ce que j'avais comme niveau de détail? J'étais en haut. J'étais même pas en ultra. Et pourtant, le jeu est déjà très beau. Donc, ça vous laisse imaginer, pour ceux qui ont des grosses machines, les possibilités techniques du jeu. Hein. Il est vraiment, vraiment... c'est du bon boulot qu'ils ont fait, tout simplement. Voilà, moi de mon côté, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire sur ce Dead Island 2 et cette découverte. Donc pour moi, ça vaut quoi? Ça vaut que ça a l'air d'être un très bon jeu et je vais bien évidemment le continuer. Et ça fait bien plaisir justement d'avoir une production de ce niveau, parce que je trouve que même si on a plein de sorties depuis un an, on n'est pas franchement gâté sur la qualité finale. Il y a beaucoup de jeux qui ont été bâclés, ou dont la sortie a été précipitée, même si nombreux d'entre eux ont été retardés. Mais ça n'a pas suffi pour monter la pente. Voilà ce que je peux vous dire. Merci d'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, allez, ciao !